Sylvana, c'est le destin pour nous, c'est un peu notre destinée. Je crois que c'est le mot qui la définit pour nous tous. Sylvana, c'est une princesse avec un foutu caractère et c'est un tempérament que je connais très très bien et j'adore ça. Sylvana. Sylvana, c'est ma jument de cœur, celle qui m'a permis de faire les plus belles réalisations sportives. C'est la plus belle histoire de ma vie. Quand on la voit bouger, travailler, s'exprimer, une jeune grand-mère heureuse et qui vit pleinement ses 17 ans. Elle va nous manquer, c'est sûr qu'elle va manquer à toute l'équipe de France. Et parce que c'est comme une jument, quand on parle de Sylvana, on parle aussi de l'équipe de France qui est dans les Coupes des Nations, dans les Grands Prix, dans les Globales. Je veux dire, elle a été partout cette jument-là. C'est une jument qui est magnifique, très élégante quand elle saute, avec une légèreté incroyable et un cœur surtout énorme. Kevin et Sylvana, c'était le couple français parfait et on vivait vraiment avec eux cette passion du cheval, quoi. Elle m'a appris à prendre le temps, à respecter ce que les chevaux ont envie de nous donner. C'est Madame Sylvana, il y a tous les autres chevaux et puis il y a elle, il faut vraiment jongler avec ses envies, tout son humeur, son caractère de la journée. Bordeaux this year is Kevin Stoltz of France riding Sylvana. Elle a écrit un bout de son histoire avec nous et sûrement les plus beaux chapitres, un petit peu comme si elle voulait immédiatement après être arrivée dans nos écuries nous remercier de l'avoir gardée sous le drapeau français. Aujourd'hui, c'est ma jument, quoi. C'est vraiment une jument que j'oublierai jamais. C'est la jument de ma vie, ouais. Elle prend pas sa retraite pour des problèmes physiques, mais juste parce que, par respect pour tout ce qu'elle a accompli, c'était le moment. Elle a beaucoup donné et je pense que c'est une jument qui mérite de s'arrêter à son plus haut niveau.